La campagne électorale approche, les musulmans deviennent le bouc émissaire. Moi je dis stop, moi je dis stop, moi je dis stop. J'ai décidé de signer la tribune. J'ai signé cette pétition. J'ai signé la pétition. J'ai signé cette pétition. J'ai signé cette pétition. J'ai signé la pétition. J'ai signé cette pétition parce que j'en ai assez d'être cette diversion utilisée par certains politiques. Car j'aimerais que les personnes qui sont censées me représenter soient à mon écoute. Je refuse qu'on puisse m'imposer des représentants et qui plus est, dans lesquels je me sens pas du tout représenté. Et pour enfin avoir des représentants qui sauront nous représenter. Parce que je refuse d'adopter une position de victime face à l'acharnement du gouvernement. J'ai signé la pétition afin de pouvoir continuer à vivre librement ma religion. Pour dire non à la stigmatisation de ma religion. Parce que je ne veux pas qu'on utilise mes convictions religieuses pour me stigmatiser. Parce que je veux dire stop, stop à toute cette instrumentalisation, à tout ce matraquage médiatique à des fins uniquement électorales. Parce que je refuse que les musulmans soient une nouvelle fois la cible d'un acharnement politique à des fins électorales. Pour que mes enfants puissent vivre en paix dans leur pays. Car je souhaite que la religion de mes enfants soit structurée par des musulmans, pour des musulmans. Car je refuse qu'on s'immisce dans ma vie privée et entre autres dans la manière d'éduquer mes enfants. Pour que la religion que j'ai décidé d'adopter, que j'ai décidé de pratiquer, ne soit plus instrumentalisée à des fins politiques. Je dis stop, nous sommes des enfants de la République, nous sommes des enfants de la nation et nous n'accepterons jamais d'être exclus. Parce que je refuse qu'en France, on invente un ennemi de l'intérieur, à savoir l'islam et les musulmans. J'ai signé pour faire entendre ma voix de citoyenne française musulmane, voix que l'on ignore. Parce que je refuse le séparatisme d'État à l'encontre de sa communauté nationale et donc aussi de sa communauté musulmane. Parce que je refuse la marginalisation des musulmans en France. Pour les décisions qui les concernent. Il est temps de s'occuper des vrais problèmes des Français. J'ai signé la pétition. Pour construire l'espoir d'un lendemain meilleur. Une France unie, de toutes les couleurs, de toutes les convictions, sans exception. Signez la pétition.